Merci Ragieux, n'hésite pas, passe quand tu veux. Ragieux qui est là depuis la première heure. Voilà, c'est pour ça que le shoutout est mérité aussi. Mais pas que. J'ai voulu faire pour Gunther et pour Amai et pour Ellie, mais il y a un timeout de 2 minutes à chaque fois qu'on veut faire un shoutout. Donc, mais n'hésitez pas à cliquer sur leur pseudo. Ils stream aussi. Allez, on démarre, c'est parti. Belle curiosité hein, qu'on avait vu popper dans les Nindies, etc. Octopia. Octopia, c'est quoi? Regardez, si j'appuie sur Y, je retourne dans un jeu qui s'appelle Eastward. Yukinelia, au fait, le cabuquet Dark Shadow sur le Discord, c'est moi. Ah, d'accord, tout s'explique. Ok, ben, bienvenue sur le Discord. Bienvenue, bonjour Ellie, bonjour Yuki, bonjour Amai, bonjour Ragieux, Gunther, et puis tous ceux qui sont là, que je ne surveille pas. Hein. Voilà, je sais que vous êtes là. Donc ça, c'est ma partie d'Eastward, ok. Et donc, pour la modique somme de 5 balles, pendant un certain temps, parce qu'après ça va passer à 5,89, on peut prendre un DLC dans Eastward, donc Eastward qui est un RPG vu de haut, façon pixel art, qui a eu son petit succès quand il est sorti il y a 3 ans, je pense. Bref, attends. Pardon, excusez-moi, j'ai Gunther qui fait son ouin-ouin. Contrôle V, attention, entrée. Voilà. C'est pas énorme. Donc, il a eu son succès, Eastward. Moi, je me suis régalé dessus. Et alors, ça tombe très bien parce qu'en plus, il est super beau d'un point de vue pixel art. Et DA en général, hein, y a même des petites scènes animées et tout. Ils ont fait un DLC. Et ce qui tombe très bien, donc là où je voulais en arriver, c'est que c'est un DLC jeu de ferme. Et nous, on aime ça ici, les jeux de ferme. Et donc, ça rentre directement dans l'AgricoStream et ça s'appelle Octopia. Du coup, je l'ai pris avant le stream, donc j'ai pas testé du tout. Comme d'hab, on va découvrir ensemble le stream découverte de Octopia, le DLC. Donc en ce moment à 5 balles de Eastward, et c'est même pas un stream sponsorisé. Voilà. Gunther Strike, je me fais unfollow pour te je vais me unfollow pour te refollow. Waouh, une dinguerie ça. Et donc Amai, tu nous dis que le studio Tokyo RPG Factory est mort. Il n'a même pas été racheté ou quoi que ce soit, ils ont mis la clé sous la porte. J'ai pas vu passer cette info encore. J'ai pas trop regardé les infos. Matin, je me suis levé, j'ai streamé, j'ai enchaîné le taf et puis on est là en stream. Ah, absorbé par Square, très bien. C'est bien ce qui me paraissait le plus logique. Rappelle-nous, tiens, Amai, puisque tu fais le malin, quel jeu on doit à Tokyo RPG Factory? Qu'il soit bon ou mauvais, je veux dire. Hein. Pour l'instant, on lance donc Octopia. Qu'on ait fait Eastward ou pas, on peut faire Octopia. Bon, bien sûr, il faut avoir le jeu pour obtenir le DLC. Et après, le seul petit plus de ce que j'ai compris, quand on a déjà fait le jeu, c'est qu'on a des têtes connues qui vont réapparaître. Au fur et à mesure de notre aventure. Ceci est une histoire d'un autre monde. Le monde s'est éteint en silence, comme la prophétie l'avait prédit. Enveloppée par les ténèbres, la déesse a chanté et dispersé les nuages noirs. Je ne fais pas de pub, Gunther, je fais de la réclame. Avec grâce et délicatesse, elle s'est mise à danser. Semblable au vent, elle faisait naître un nouvel espoir. Les enfants de la terre ont fait un vœu. Mais peut-être que les étoiles étaient mal alignées. Peut-être qu'un enfant avait perdu son jouet. Ou les nuages du destin avaient-ils été déviés? Nul ne le savait. On ne s'endort pas en mode digestion après le repas, les amis. Le jeu avait un peu attiré mon attention, ça tombe bien, je vais pouvoir le découvrir. Alors tu parles de Octopia ou de Eastward, de Yuki? Est-ce que tu avais fait Eastward sinon? Ouah, celui qui a stream, qui lance un raid. Merci, bienvenue. Xorlu qui lance un raid, mais vous êtes fous les amis, vous êtes passé le mou quoi.
Qu'est-ce qui se passe? Bienvenue à tous, on démarre tout juste Octopia. Hey, bienvenue et merci beaucoup. Merci, merci, merci. Et merci Xorlu aussi pour le raid. Vous vous connaissez pas, rassurez-moi. Deux raids comme ça qui pop en même temps. Est-ce un hasard? Merci, installez-vous. Je vais essayer de faire des shout-outs, mais comme je viens d'en faire un pour le père Gunther, eh bien, il y a un time-out de 2 minutes, il faut le savoir. Hop là, on envoie. Et donc, bienvenue sur l'Agrico Stream. Hein. Ce sont des séries de streams où on fait des jeux de ferme. Étant donné qu'Octopia sort aujourd'hui, le DLC de Eastward, eh bien, il rentre directement dans la section Agrico Stream. Bienvenue au Raider et à Suika Stream. Est-ce que tu joues à Suika Game, Suika Stream? J'imagine que oui. Et vous jouiez ensemble. J'ai failli poser la question, Xorluge, parce qu'il me semblait qu'il y avait peut-être de la coop sur le DLC, du coup. Eh ben, merci beaucoup. Merci, merci. J'espère que tu vas bien, Xorlu. On va, je vais préparer pour après quand même le shout-out. Xorlu que vous connaissez puisqu'on a fait déjà des raids chez elle. Voilà, tout est fait à la main ici. Hein. C'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. Et donc vous étiez ensemble alors du coup, ensemble sur Octopia j'imagine? Ou pas du tout? Et coucou Augustine, Augustoine, comment ça va? Qui nous dit coucou les copines? Ah un petit Hatsune Miku, ça fait toujours plaisir. N'oublie pas d'être mignon et de follow. Allez, on fait le shout-out. Ben, ça veut pas, Glorlu, je sais pas pourquoi. Il veut pas. En tout cas, cliquez sur Glorlu. Vous serez pas déçus. Voilà, c'était le petit spot publicitaire. Tout le monde est bien installé, on y va. C'est parti. Enfin, on y est. Bienvenue à Octopia. C'est ça, Octopia? Ah, on retrouve nos amis de l'histoire, là, c'est magnifique. Hein? Tu me crois pas? Je sais pas, essaye Rémi. Normalement oui, mais je crois que ça marchait pas. Mais vas-y. Ah non, tu as été supprimé, c'est moche. Attends, par contre, je peux faire un petit afficher copier-coller du coup. Voilà, on magouille. Hein. On trouve des contournements, comme on dit. Voilà. Oh, c'est vrai. Oh, c'est à cause de la gare. C'est vrai qu'elle a connu des jours meilleurs. Des joueurs meilleurs, hein? Mais ne vous en faites pas. D'ici une vingtaine d'années, l'immobilier va monter en flèche. Vous ne regretterez pas votre investissement. Suivez-moi. Je vais vous montrer le bourg, la ville, je veux dire. Bon appétit, Xorlu, merci encore, et puis bonne journée. Et à très bientôt. Non, c'est à côté, Big Gameski. Voilà, on est d'accord. Regarde, John. C'est une pieuvre géante. Ah, attendez-moi. Devant la gare, vous pouvez découvrir, roulement de tambour, l'avenue Céphalo. C'est notre grande rue commerçante, en tout cas, ça l'était.
Alors attendez, un dernier petit réglage. Ouais, il fallait que je lance le stream label. Des fois qu'il y a des petits follow qui apparaissent sur l'overlay, c'est plus sympa quand même. Voilà. Maintenant, c'est un peu désert. Mais je me suis laissé dire qu'il y a des gens qui ont envie d'investir ici. Ah, attends Sam. Un autre poulpe ? Ah mais le jeu est magnifique aussi Gunther. Hein. Moi je t'invite à le faire. Hein. Ça peut être un petit jeu sympa entre deux jeux. Hein. Et Riley qui va faire son petit repas. Bonne popote mon ami. A tout de suite. C'est un Stardew Like apparemment mais avec la touche Eastward. Il paraît que ce sont des vestiges d'une civilisation ancienne. D'après la légende, il y avait un dieu poulpe qui vivait dans le coin, ou un truc du genre. Suivez la route et traversez le pont, et vous arriverez à votre ferme. Tout est une question de choix, Gunther, tu le sais. La vie est faite de choix. Hello le poulpe. Violet. Tu tombes très bien parce qu'on parle énormément de poulpe ici. Ah, un petit stream de Kabuki pendant mon ménage. Très bien, Archeologame. C'est très bien de faire le ménage. Il faut. Ah, t'as choisi les castors. Voilà, tout simplement. Je vois une houe ici. Hein. On nous la fait pas, nous, agrico-streamers. Hein. Vous obtenez houe. Labourer avec la houe pour planter des graines. N'oubliez pas de retirer d'abord les débris. Comme d'habitude. On va tomber sur un champ bien dégueulasse. Moi, je tiens à faire le pari avec vous. Avec des bouts de bois, des cailloux et des mauvaises herbes. C'est obligé. C'est une houe, ça sert à labourer. Vous pouvez la garder. Je suis sûr que vous en ferez bon usage. Oh ayo, Kiminudu. En plus, ça marche bien, Trigger Fire. Là. C'est magnifique. Comment ça va, Arkeo, sinon? Bon, si tu fais le ménage, je peux pas trop parler. Elle est maintenant cambouis. Ok, c'est une houe. Ok. On devait faire quoi, d'ailleurs? Se balader, c'est ça? Je vois un escalier qui m'appelle. J'ai pas suivi, je peux poster avec vous. N'empêche, la formule AgricoStream n'a jamais été autant tendance. Oui, ah bon, tu trouves? Et nous, on était là avant la tendance. C'est-à-dire que les agriculteurs sont dans la rue, donc ils ont le temps de regarder le stream maintenant, nous dit Amaï, c'est pas faux. Mais je pense que les agriculteurs, c'est les derniers à regarder notre stream. On a un viewer hein, quand même qui le week-end plante des fraises et tout ça, travaille la terre. Il venait pendant les agricoles stream. Mais je pense que c'est le seul. Hein. Et en fait, ce qui est très marrant, faudrait que je vous le mette sur le Discord un jour. J'ai un tout petit minuscule truc qui ressemble à un jardin. Vous voyez, si vous voyez avec IEZ... La gueule qu'il a, vous diriez, mais le gars, il aime pas la ferme, le gars, c'est faux. Waouh, vise-moi un peu ce champ, il est énorme. Ah, c'est moins dégueulasse que ce que j'aurais pu croire. Au niveau de la gueule du champ, est-ce qu'il faudra nettoyer? Adieu, Kiminudu, hein, encore 5 balles de moins dans ton porte-monnaie, à mon avis. C'est ici où on va vivre. Allez, allons voir comment c'est à l'intérieur. J'en peux plus d'attendre. Ouais, c'est plutôt propre même, j'avoue. Waouh, elle est énorme cette maison. Il y a un lit. Je vais enfin pouvoir dormir sur un matelas confortable.
Ah, ça, c'est un grand mystère, Kiminoudou. On en parlait ce matin, justement. À quand le multi-stream sur Farming Simulator? Faudrait déjà que je m'y mette à Farming Simulator. J'avoue qu'il me fait de l'œil, il est dans le Game Pass en plus. Faudrait que j'essaye une fois. Mais ça a l'air moins fun que nos petits jeux de ferme, quand même. Ça a l'air plus professionnel, quoi. On dirait que l'endroit vous plaît, mais faudrait que j'essaye quand même. S'il n'y a pas de problème, j'aurais juste besoin d'une signature. Très bien, tout est prêt. Ah, tenez, voici un petit cadeau de bienvenue. Radis blanc. Planter les graines sélectionnées avec Sam. Et maintenant, je dois y aller. J'espère que vous vous plairez tous les deux ici. Pour ceux qui se posent la question, pas besoin de... C'est vraiment indépendant d'histoire, le DLC, pas besoin d'avoir fini le jeu. Il faut avoir le jeu, bien sûr. C'est un DLC qui se rajoute dans le menu d'histoire. Par contre, ce sont vraiment deux histoires distinctes où il n'y a pas besoin d'avoir fini le jeu pour pouvoir lancer le DLC. Très bien, je suis prête. D'ailleurs, je pense qu'ils en auraient fait un jeu à part, ils en auraient vendu autant. Tu es prêt, John? Tu as la classe, John. Allez, c'est le moment d'aller planter nos graines. L'album des persos a été mis à jour. Alors, j'ai ma où? J'appuie sur Y, moi. Comment je ramasse le bois? Là, bon, on va dire qu'il n'y a rien. Un coup de houe, ok. Ça plante direct, non? Ah ouais, je laboure et elle plante. Magnifique, travail d'équipe. On a combien de graines comme ça? Ah voilà, on en a 6. Alors par contre, j'ai pas de pioche. Je sais pas comment je vais pouvoir ramasser ça. Là, j'ai appuyé sur R. Donc j'ai mes graines, mes légumes, mes outils, j'imagine. Non, ça, c'est les recettes, pardon. C'est une poêle avec un œuf. Et le PQ. Les objets, quoi. Les ressources, peut-être. Je sais pas trop. Sur L, il n'y a rien. Sur moi, j'ai ceci. Ok, c'est la map. Plus, on a un autre menu. Avec la map. Ok. Par contre, est-ce que j'ai une quête, en fait? Est-ce que j'ai un truc, une indication à faire? Un truc à faire ou pas? J'ai pas l'impression. Oui, donc ça c'est LR. Si je fais ZLZR, je peux pas changer de perso. Bon bah voilà, super. Que pensez-vous que nous devrions faire? Il faudrait peut-être pas arroser d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Vérifier. Bref, mystère 0 sur 12, d'accord. Ah, voilà l'arrosoir. Vous obtenez arrosoir. Les plantes ont besoin d'eau chaque jour pour grandir. Heureusement que l'arrosoir se remplit tout seul, comme par magie. Ils ont enlevé tous les trucs merdiques des jeux de ferme. Pour un meilleur confort. Pour une meilleure quality of life, comme dirait Gunther. QOL. Il est trop mignon, cet arrosoir. Par contre, entre tes mains, ça fait bizarre. Héhéhé. Wouah! Dites donc, vous y avez mis le temps. Oh, le génie de l'arrosoir. Je m'appelle Yu Yu.
Je dis pas ça, moi. Ah, voilà, il se réveille un peu. Youyou le cupide. On vient d'emménager. Moi, c'est ça, mais lui, c'est John. Vous venez vivre dans ce trou perdu? J'imagine que vous n'avez pas de quoi vous payer quelque chose de convenable. Il est à toi, cet arrosoir? Tu parles de cette relique magique? Oh là, elle est à toi. Mais attention, si tu la renverses, l'eau n'est pas prête de s'arrêter de couler. Et maintenant, va planter des cultures pour t'en mettre plein les poches. Ne va pas finir fauché comme ce bon vieux Youyou. Si tu as des questions, viens me voir. Je peux te donner des conseils. Mm-hmm. Donc c'est toujours Y. Ouais, je laisse appuyer, ça coule à volonté, quoi. Magnifique. Essaie de repérer les statues de poulpe. Elles pourraient t'aider à trouver ce dont tu as besoin. Ok. Là, on a une cloche. Il y a un truc qui est tombé. Ah, radis blanc. Magnifique. Ah, je vais essayer. Oh, regardez ce qu'on a en bas, là. Regardez ce que je vois. Alors, du coup, on va replanter une graine, du coup. Comment on fait? On remet un coup de houe? Ouais, ok. Alors, comment on va aller là-bas? Ah, il va nous falloir une pioche, là. Va nous falloir une pioche. Alors peut-être par ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Des gants de récolte, d'accord. Utilisez les gants de récolte pour récupérer les cultures sans les endommager. Ah, attention. Ouais, clairement, là, il va me falloir une pioche pour récupérer le truc qu'on a vu en bas, là. Et puis, ça doit être une hache, d'ailleurs, non? Pour couper du bois. Ici, il n'y a pas de poulpe. Bizarre, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a, là? Des voisins? Ah non, d'accord, pardon, excusez-moi. Vérifiez, utilisez les toilettes. Impossible d'utiliser les toilettes, il n'y a pas assez de papier. C'est les chiottes qui parlent en fait. Bon, on reviendra alors. Pas de courrier. Ben, on va aller se balader par là, on va voir. On peut pas le choper. Hein. Je pense que c'est une hache, mais je suis pas sûr. Ou une faux peut-être. Trophée de récolte 0 sur 35. Ok. Ça viendra, ça viendra. Pardon, j'ai voulu courir. On court déjà. Alors. On va visiter un peu mieux la ville. Là, on a un poulpe cassé. J'ai l'impression que le centre n'est pas très grand quand même. Là aussi on a un poulpe cassé. Vous avez obtenu 10 unités de sel. Ah. Coup de chance. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Pareil, des trucs à retaper. Une église peut-être? Non, c'est un ventilateur. Très bizarre tout ça. Eh bien, on a fait le tour. On va repartir par là-haut. Là aussi, il y a un truc, mais on ne peut pas y accéder pour l'instant. Faut bien partir par en bas du coup. Hein.
En tout cas, le jeu est bien beau, hein, dans la même veine que Eastward, ça c'est cool. Donc je peux pas passer par là. J'avoue qu'une fois que j'ai planté mes trucs... Ah, apparemment, je pourrais peut-être ramasser ça. Ah oui, d'accord. Bah non. Si, ouais, avec les grandes récoltes, en fait, bah, on peut ramasser tout ce qui traîne par terre. D'accord, c'était donc ça la suite de ce qu'on devait faire. D'ailleurs, on le voit, hein, quand j'ai l'arrosoir, les trucs par terre ne brillent pas. Quand j'ai les gants, ça brille. Ça scintille, ça veut dire que je peux les choper. Oui, Archéo, ça avance ce ménage un peu là? On a nettoyé le champ. Des bouts de bois et des mauvaises herbes. Tu crois qu'on peut en faire quelque chose? Ça avance bien. Ah, parfait, parfait, parfait. Tu as madame qui vient aujourd'hui peut-être? Un épouvantail. On passe le balai dans le salon. Ok. À partir de maintenant, tu es notre mère. Je vais t'appeler Hoffman. Tu as intérêt à bien t'occuper de ce champ, monsieur Hoffman. Ah, tu vis chez madame, donc tu fais le ménage chez madame, du coup. Ah d'accord, je ne savais pas, Archéo, pardon. D'accord, tu as quitté le bercail pour t'envoler tel un petit oisillon vers le ciel enflammé de l'amour. C'est beau. Vérifier. Trophée du dieu de l'eau 0 sur 21. Ok, on a un épouvantail, la nuit va tomber, on va aller se pioter, je pense. Hein. Puis demain, ça aura poussé. Inch'Allah. C'est beau. Ah oui, c'est beau, Archéo. Si tu as sommeil, rentre chez toi et va dormir. Je pense que c'est un super move, le DLC ferme. Déjà dans Zelda, je me suis dit que s'il faisait un DLC mode ferme, bien poussé, ça ferait un carton. C'est vrai que... C'est vrai qu'en plus, on pourrait le mettre dans AgricoStream, ça serait magnifique. Ça, c'était trophée de quoi? De chef, ah ouais. Il y a plein de trophées à pécho, quoi. Ah ouais, c'est un super move qu'ils ont fait, je suis d'accord. Donc John, il va dormir là, c'est ça? C'est moche. Oh, il y avait du pain noir dans le tiroir. Attendre jusqu'à l'heure du dîner. Oui. Ah oui. Ça me fait bizarre de voir un mode ferme sur ce jeu. Ouais, t'as vu, c'est tout bizarre, mais je pense qu'on va vite s'habituer. Malheureusement, ça tombe mal. Hein. Ça tombe en même temps que plein d'autres jeux, là. C'est hyper chronophage, les jeux de ferme. Mais bon, c'est pas grave, on subit. Hein. Culture plantée, radis blanc. Attendez les fruits de votre labeur. Ça m'a emménagé à Octopia. Donc ça, c'est les événements de la journée. Recette obtenue, 1%. C'est un peu cracra la presse là, je trouve. Hein. Mais bon. Je pense que Lazaretto aurait fait un arrêt cardiaque sur l'IHM là. Bon, allons voir comment se porte notre radis blanc. Elle lui laisse pas le temps de s'étirer ni rien au vieux. Hein. On se réveille, tac, on va voir les radis. J'ai mes grandes récoltes, tout va bien. Youpi, on a un radis blanc. Préparons un bon petit plat avec John. Ah, on va déjà tout récolter, je pense. Hein. Et lui, il a été planté après et pas arrosé surtout. Aïe, 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 vous m'avez rien dit. Ah, c'était pour tester, voir comment ça pousse, mais bon. Créer une recette avec elle. C'est vrai que c'est un fin cuistot, John. Adi. Le goût simple du radis blanc allié à la saveur du travail bien fait. Pas de nouvelle recette. Maintenant, on va cuisiner.
On va se faire un petit radis blanc, soupe au radis blanc. Allez. Cuisiner avec X. Ah, vous connaissez si vous connaissez. Le goût simple du radis blanc allié à la saveur du travail bien fait. Magnifique, on a déplacé la table et tout. Miam, un vrai délice. Tout est meilleur quand on le fait pousser soi-même. On a une barre de vie quand même. Ah ça c'est les villas. Ah, du soleil, de l'air frais. Je crois que je suis amoureux de cet endroit. Ces types ne nous ont pas retrouvés, ne vont pas nous retrouver ici, hein. Ne t'inquiète pas, frérot. S'ils viennent, je te protégerai. N'ayez pas peur, les enfants. Ce bled paumé n'apparaît même pas sur les cartes. Personne d'autre que nous ne va venir ici. À moins que... Moins que... Nous avons du courrier, les amis. Sam, ah, c'est de la part de Salomon. Il y a aussi une lettre. Cher John, cher Sam, j'ai un remboursement à vous verser. Le prix de la propriété que vous avez achetée était erroné. Je vous présente toutes mes excuses au nom de la société. Ah. Salomon a dit qu'on a dépensé trop d'argent. La vie à la montagne, ce n'est pas toujours de tout repos. Ce n'est pas grand-chose, mais j'espère que ça vous aidera. J'espère que vous allez bien tous les deux. J'ai hâte de vous revoir. Donc on a obtenu 1000 unités de sel. Ok, ça ne manque pas de sel. 1000 unités de sel, du coup ça doit être la thune, je pense. Les rituels et les traditions, c'est important. Un repas n'a pas le même goût si on le mange sur une table dressée pour le dîner. Si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à essayer. Ok, donc on s'est fait déjà bouffer. On a de la thune, est-ce qu'on pourrait pas acheter des graines? On va retourner là-bas de toute façon. D'ailleurs, on n'a plus de graines parce qu'on a récupéré, on a récolté du radis. Ah, donc ça c'est le radis qu'on a. C'est les cultures. Alors les graines, c'était pas là, c'était R. Oh, ouais. Mais on n'a pas de graines, ok. T'aimes bien Yuki alors le jeu? Ou c'était les mille unités de sel qui étaient intéressants? Bon lurk Kiminodou et à très vite et merci d'être passé comme d'habitude, ça fait plaisir. C'est tout plat par ici et c'est juste à côté de la gare. C'est plutôt sympa comme courir. Il faut croire qu'on a de la chance. Oh bonjour, vous faites du tourisme? Un autre jeu dans ma liste du coup. Eh oui Yuki, un autre jeu. Le backlog grandit, grandit, grandit. Attention, danger. Daniel. Daniel, tu es là? Daniel. J'attends qu'il regarde l'écran, qu'il ne croit pas que je me foute de sa gueule quand même. Ok, vous êtes tous témoins qui avaient écrit Daniel. Tu as fait peur à cette pauvre petite fille. Elle est là pour recouvrir nos dettes. Allons, nettoie un peu tes objectifs. Comment une petite fille si adorable pourrait être agente du coup du recouvrement? Pardon de t'avoir fait peur, moi c'est William de la compagnie commerciale de William. Et ça, ce sont mes enfants, Daniel et Daniel. Bonjour. Désolé de t'avoir fait peur.
Je m'appelle Sam, je viens d'emménager dans le coin. Enchanté, Sam, et je t'en prie, pardonne nos mauvaises manières. Nous aurons dû nous présenter comme il se doit à nos nouveaux voisins. Voisins ? Vous voulez venir vivre ici ? C'est génial ! John, on a des voisins ! Mais papa, on n'a pas les moyens d'acheter un terrain ici. Chut, ferme un peu ta boîte vocale. C'est pas mal ça. Je gère. Tu dois être le père de Sam. Et non, John, c'est juste John. Oh, je vois, toutes mes excuses. Permettez-moi de nous présenter à nouveau. Nous sommes la compagnie commerciale de William. Nous sommes venus à Octopia. Voilà, à Octopia. Nous sommes venus installer le siège de notre société à Octopia. Ça, c'est une bonne nouvelle. Pas vrai, John? On aimerait ouvrir une boutique ici. Vous pourrez acheter tout ce que vous voudrez. Et vous pourrez aussi nous vendre des trucs et des machins. Une boutique? Une boutique? Genre un grand magasin où on trouve tout ce dont on a besoin? Super! Vous avez besoin d'un coup de main? Ah ben quand même, oui! Je veux dire, vous êtes trop aimable. Vachement précis des trucs et des machins, j'avoue. Comme vous le voyez, à l'heure qu'il est, notre boutique n'est encore qu'un beau projet. En premier lieu, il faut que nous trouvions un entrepôt et un endroit où vivre. Nous avons de l'argent, mais pas assez de ressources. Mais papa, on n'a pas d'argent? La ferme. Des ressources? Par ici, à part les radis blancs qu'on cultive à la ferme, il n'y a que des cailloux et des arbres. Des cailloux et des arbres, ça devrait faire l'affaire. Mettez la pierre et le bois dans le coffre qui est juste là. La fameuse voix de Kabougri. Tu as raison, Rayleigh. Nous nous occuperons du reste. Pas de problème, pas vrai, John? Ah, j'ai failli oublier. Prenez ceci. Pour travailler correctement, il faut de bons outils. Ah, voilà, on a une hache. Donc, c'était pas une hache qu'on avait plus loin. Peut-être une faux. Ou un arc, j'hésite encore. Une hache robuste capable de venir à bout des arbres et même des pierres. Ah ouais, ça fait deux en un. Bon bah on sait ce qu'il nous reste à faire. Hein. D'ailleurs il faut combien de matos là? Alors, il faut 10 pierres et 10 bois. On est parti. Là, on est à presque 40 minutes de stream. J'ai pas vu le temps passer. C'est bon signe. Merlin, c'est une marque, Rayleigh, on trouve à Bricomarché dans le Nord ou pas? Hop là, en plus c'est easy à miner. On fait Y. Est-ce qu'on peut laisser appuyer Y derrière? Ouais. Bah c'est tout fluide, tout tranquille. Oh, un poulet, tiens. Ah non, on peut pas. Est-ce que je peux le récolter? Non. Bon bah il y a un poulet, il est là. C'est sa vie. Ah enfin. On a ce truc. Alors qu'est-ce que c'est? Une canne à pêche. Alors un merlin, c'est une grosse masse avec bout en pointe comme une hache. Ah, je connaissais pas. J'irai voir ça sur internet. Merci Rayleigh, c'est cool. Alors utiliser la canne à pêche à côté de l'eau pour pêcher. Oh, c'est bon ça. On va avoir un peu de protéines. Alors, je suis sur canne à pêche, je fais Y. On va voir comment se passe la pêche. Alors, L et R pour déplacer le...
Ah oui, d'accord. Ah d'accord, on est en train de pêcher là. Et alors, il en veut pas le poisson? Et après, A pour ramener. Ah d'accord, il faut d'abord le mettre, ouais, d'accord. Est-ce qu'il faut appuyer comme un bourrin? Je sais pas, je comprends pas tout. Ou alors faut qu'il fasse le tour. On n'avait rien attrapé. On va retenter. Hein. Alors, je me mets près d'un poisson. Je lâche l'hameçon. Je peux encore le déplacer, d'accord. Ah d'accord, faut appuyer tout de suite. J'ai attrapé un bar. On tente ma chance. Ah, excellent. C'est plutôt easy la pêche. Je sais qu'il y en a qui sont rebutés par la pêche dans les jeux de ferme. Là, c'est plutôt easy. Alors, flotteur équilibré, on n'a que ça pour l'instant. Ah là, il m'a échappé. Est-ce qu'il faut que je le poursuive? Oui. Ah mince, vite, il va lâcher. Allez, allez, allez. Oh, je me suis trompé entre les R. Voilà. Ah non, il veut pas, il veut pas. On va l'affaiblir. On l'a pécho. T'as oublié la mention Kabuki Farming Quest. Bah non, c'est AgricoStream. AgricoStream et Kabuki Quest, c'est pas pareil, Augustine. Après, c'est vrai qu'on est dans un jeu de ferme de JRPG. De ARPG, je dirais. J'ai confondu. Ah bah, il était dur à attraper celui-là. Pourtant, il était du même acabit que celui d'avant. Si je veux voir mes ressources... Voilà. Ah, j'ai 20 pierres, il me faut du bois maintenant. Donc, je prends ma hache et go. Et bien vu le Weeb, il y a le Weeb 2 aussi, Augustin, sache-le. Celui qu'il adore, c'est Mib. On est en train de déforester notre petit coin de paradis. J'espère que ça va repousser. Et là, est-ce qu'on peut fracasser les souches? Oui. Donc là, ça repoussera pas. On va couper celui-là, puis on va laisser pousser ces deux-là. Ok. Si je fracasse les arbustes, j'ai du bois. Mais si je prends mon gant de récolte, par exemple, il n'y a pas des graines qui traînent à droite à gauche dans l'herbe ou je ne sais où. Hein. J'ai pas l'impression. Bon, on va retourner donner le matos. Mets les pierres et le bois ici. On s'occupe du reste. Ok, c'est parti. On a juste à faire une petite pression vers la droite avec le joystick. Ah, t'as un petit problème dans ta plantation. Pourquoi ça pousse pas? Super chanson, Augustin, ça. Ça date. On a assez de ressources, papa. Vous avez déjà fini. Merci beaucoup. Nous allons nous occuper du reste.
Ils ont pas l'air méchants, en fait. Ils font du business. Bon, ils sont poursuivis par les impôts, certes. Mais je pense pas qu'ils soient méchants, finalement. On verra. Et Poued Data Reaper, comment ça va? Reçu 5 sur 5. On est sur le DLC de Eastward. Qui s'appelle Octopia. Qui peut se jouer à part, mais il faut avoir le jeu pour se le procurer. Et ils l'ont fait à 5 balles et quelques, en promo à 5 balles en ce moment, sur l'eShop. Ah, robot Daniel. Daniel, le deuxième Daniel, c'est un robot, en fait. Ah, en plus, t'as le jeu. Bah, je te dis, il est à 80 centimes moins cher en ce moment. Je suis peu près. Alors, c'est parti. Ah, ça y est, il se réveille, Daniel Strike. Les deux enfants de William s'appellent Daniel. Il y en a un qui est robot, apparemment, et l'autre, non. C'est qui, ça? Salomon? Ça ne va pas, mais alors pas du tout. Et là, pour la grande inauguration, toi aussi? Je suis fichu, foutu, cramé. On dirait qu'il a quelque chose qui le tracasse. Allons voir ça. Ça va, Salomon? 20 ans d'excellence dans l'immobilier. Mes propriétés, mon travail. Ah, la pizza saucisse œuf. Ah ouais, ça y est, tu te venges, Data. Là, tu me fais des envies de bouffe pendant mes streams. C'est pour se venger des K-Burgers. Pizza, saucisse, œuf. Aïe, 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 aïe. Ça donne envie. Mes propriétés, mon travail, je suis fichu. Mais attention, Kabou, tu vas caler. Attention, Kabou, tu vas caler. Attention, Kabou. J'ai pas la ref. On dirait que son état a empiré. William, Salomon est malade? J'ai bien peur que ça ait atteint le cœur. Le cœur? Tu veux dire que... il a fait une crise cardiaque? Non, je veux dire que le problème est dans son cœur. Dans son cœur? Qu'est-ce qu'on peut faire, William? Ne t'inquiète pas, j'ai quelque chose qui devrait le remettre sur pied. Je connais un remède homéopathique. Il y a un aliment magique qui redonne de l'espoir à ceux qui l'ont perdu. Vraiment? Eh oui, ça existe vraiment. La patate douce. Grillée, bien sûr. Une patate douce grillée, ça a l'air délicieux. Tiens bon, Salomon. On va te redonner espoir. Alors, on va parler à Salomon. C'est fini, je suis cuit de chez cuit. Eux, je parie qu'ils vendent des graines de patates douces. Fais que comme chez toi, nous ne proposons que des produits de première qualité. Alors, acheter, vendre, commander. Ah bon, acheter déjà, c'est pas mal. Alors, on a 1000 balles. Là, ça vaut 40 balles le riz. On va en prendre. On va essayer de prendre un peu de tout et après, s'il reste de la thune, on prend vraiment tout. La patate douce, on met la max. Là, on est déjà à 800 balles. C'est quoi ça? Nourriture pour bétail. Ah ouais, il faut garder de la thune. Hop. Ça c'est quoi? Nourriture pour poule. Ah, on va peut-être pouvoir attirer la poule qui traîne. Des appâts. On n'a plus de thunes. Et ça, on a déjà. Ah, améliorer les outils. Ah oui, là c'est carrément 300 balles et des matériaux. Ok, ok, ok. Alors je trouve que le jeu va un petit peu vite en besogne. J'espère que c'est pas comme c'est un DLC. J'espère que c'est pas trop court. On verra.
Merci pour ton achat. Bon bah go s'occuper de tout ça. Hein. Avant qu'il soit l'heure de se coucher. On plante, on arrose, on se piote. Le lendemain on récolte. Et après on cuisine. Alors là où. Hop. Bon ça c'est la hache. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'elle plante juste derrière, en plus c'est magnifique. Ça, c'est vraiment du travail d'équipe. On plante tout ce qu'on a dans l'ordre. Hein. On verra après pour les aménagements. Ah mince, j'espère que j'ai pas abîmé la graine. Ah si, j'ai abîmé. Je crois. J'arrose, il se passe quoi? Pas grand chose. Bon, on verra. Ah, il n'y a plus rien à planter. Ok, on va arroser maintenant. J'ai toujours pas compris la blague de Calais, Rélie. Pas grave, peut-être un peu de mal là après manger. Ok, donc ça c'était le riz, d'accord. J'imagine, hein, vu qu'il y a de l'eau autour. Est-ce qu'on lui parle à Bouli? Allez. Non, il veut pas. Si. Tu attrapes des saletés en pêchant? Pourquoi ne pas les garder? Ça pourrait te servir plus tard. Ah bah non, on n'a pas encore attrapé de bottes ou de canettes. Mais ça ne saurait tarder de ce que je comprends. Pour l'instant, on n'a eu que du poisson. Cuisiner. On va se refaire un petit radis. On passe à la cuisine parce que maintenant on connaît l'animation. Ah, est-ce qu'on dîne? Je sais pas, ouais, on peut le tenter. Ah oui, avec le perso qui bégaye, ok, pardon. J'avais pas la ref. Dîner. Ah, on veut dîner sans. On reprend de la life, mais peut-être qu'on l'aurait récupéré en dormant. Je sais pas trop si c'était un bon move. Première prise, barre. Du coup, il se couche direct après. Ok, tout ce qu'on a ramassé. Ok. C'est mon oignon. Et on est au jour 3 déjà. Ah voilà, on va pouvoir récolter. Faut pas oublier de prendre les gants, sinon on massacre tout. Donc le reste, c'est un peu plus long à pousser, hein, j'ai l'impression. C'est tellement le bonheur pour arroser. Cet épouvantail est vraiment intéressant. C'est Monsieur Hoffman. Il protège notre ferme. Je l'observe depuis des jours. En jugeant par l'expression sur son visage, je dirais qu'il est capable de prédire le temps du lendemain. Intéressant. Il y a des petits papillons, des écureuils, ok. Ben là, on n'a pas trop le choix d'attendre. Hein. Est-ce qu'on récolterait pas des ressources? On va pas faire ça toute la journée quand même. Ah oui, la poupoule. J'ai des graines. Nourriture pour poule. Comment je le sélectionne ça? C'est pas dans ma barre. Caresser. Voilà, on caresse la poule. Finalement, ah oui, verdict Data Reaper, verdict sur la pizza ou sur le jeu du coup? Ça la question. Comment je fais pour donner un objet? Peut-être qu'il faut d'abord qu'elle soit apprivoisée. Hein. Non, c'était pas là, c'était R je crois, ouais.
pas sélectionné. Là, j'ai fait B, donc je sors. Si je fais Y, non. X, non. Moi, je pense que ça sera à mettre dans un mangeoir ou un truc comme ça. Hein. On va sûrement pouvoir fabriquer des trucs aussi au bout d'un moment. Tu attrapes des saletés en pêchant. Ok, bon, ça, il nous l'a déjà dit. Est-ce qu'on n'irait pas pêcher et puis vendre le poisson? Peut-être. Pour acheter d'autres trucs. Trophée du dieu de l'eau, 2 sur 21. Ah oui, en plus, j'ai des appâts maintenant. Mais ça, je veux pas, moi. Je veux juste pêcher, moi. Peut-être ici. Ah oui, c'est Y, pardon. Hop là. Il est chaud, le Augustin. Il n'y a pas de poisson ici? Ah oui, il faut mettre les appâts. Pas d'appâts. Mais j'en ai acheté pourtant. Non. Alors. Ah non, j'ai peut-être pas acheté d'appâts. Bon, je vais aller vendre les poissons. Retour. Ouais. Je vais aller vendre les poissons. On avait pêché. Ah, il y a un truc qui brille là. Ah oui, 10 unités de sel. Ça, c'est cool. C'est de la thune en fait. Un repas d'athlète, Data. Beaucoup de protes. Eh oui, la prote. Bon, toi, tu vas attendre un peu pour ton plat. Vendre, alors. On vend tous nos poissons. Est-ce qu'on vend les radis aussi? Un petit peu. Le pain, on garde. Les pierres, pour l'instant, ouais, on va vendre. Ça fait un peu de thunes. Et ce qu'on a déjà acheté, bah, on va le garder. Et ça, c'est du bois. Ah, peut-être qu'il fallait en remettre dans la caisse. Bon, on verra, puis on ira en choper. Ok, on s'est fait 500 boules. On va acheter... Il y a des carottes, c'est nouveau. Et des tomates, tiens. Pas assez de sel. Commander, c'est quoi commander? Alors, commander du riz, d'accord. Et ça, ah, une ruche ou un poulailler. Ah, c'est bon ça. Pas assez de sel. Alors, il faut déjà avoir la thune pour commander. Et ça arrive pas tout de suite, j'imagine. Ça arrive le lendemain ou un truc comme ça. Ok, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? La ville est un peu loin de la montagne, non? On pourrait essayer d'y aller si on trouve le temps. Ouais. D'ailleurs, on n'a pas essayé de ressortir. Je sais pas par où on est arrivé, d'ailleurs. De là, non? Mais on peut pas y aller, là. Ah, l'Abdal. Important, l'Abdal. Tu as raison, Data. On rappelle, hein, pour ceux qui ne suivent pas, un abdal, des abdos. La guerre a l'air d'avoir connu des gens meilleurs. Et peut-être même plus vieille que papa. C'est lui qui bégayait? Je croyais que c'était lui. Misère. Oh, qu'est-ce donc? On va le caresser. Ici, il n'y a rien. Ici, bah, il y aura sûrement ouais, un shop ici, j'imagine. Je pense que d'autres gens vont nous rejoindre. On va aller planter ce qu'on a pécho. Voir s'il n'y a pas des chemins bloqués qu'on peut dégager avec la hache. Et on va arroser.
C'est chinois, c'est bien ça? Non, non, je crois pas que ce soit chinois, Eastward. C'est Chucklefish, pour moi c'est... Ah! Non, pour moi c'est Rickin. Je sais pas, vérifier, tiens. Alors tu as vu que les développeurs de Céleste pour les 6 ans du jeu ont fait Céleste 64 sur Itch.io? Non, j'ai pas vu ça. Ouais, je vais aller regarder, tiens. Déjà, il y avait... bah t'as vu dans Céleste, il y a une borne... 4 bits, je crois, un truc comme ça. Ou 8 bits. Pico, Pico 4 bits, je crois. Qui est un jeu à part entière. Pas de chemin bloqué, j'ai l'impression. On caresse la poupoule. Ah, c'est quoi ça alors? Il faut récolter ça, non? C'est bizarre, c'est tout flou en bas, là, on dirait un glitch. Ah, on dirait plutôt qu'il fait chaud en bas. Lâche, n'y peut rien. Canapé, j'imagine que non. Là où arroser ce machin, ça sert à rien. Et on peut rien ramasser. Bon, on verra plus tard du coup. J'avoue que là, une fois que j'ai tout planté, arrosé et tout. Ah, Pixpil, c'est chinois, d'accord. Eh ben, j'avais soit oublié, soit pas fait gaffe sur le moment. Merci Gunther. Eh ben, bon app Yuki, de toute façon on arrête depuis une minute. Fais bien de me faire ton petit coucou. Voilà les amis, c'était le début de Octopia, le DLC de Eastward. J'espère que ça vous a plu. Moi je vais le continuer dans mon coin. Et puis soit on fera des immersions de temps en temps en Agricole Stream. Moi, je mettrai des petites teufs sur le Discord, on verra. On verra. Peut-être qu'on verra juste chez Data du coup d'ailleurs. Alors... Bah on va se coucher. Ouais. C'est une journée qui passe. Et après, on va voir comment on sauvegarde. Oui, je veux dormir. Mais est-ce qu'il est bien bon de dormir sans manger? Nous verrons. Et bien sûr, vous pouvez retrouver la VOD sur YouTube. Il y a la VOD de ce matin. Il y a aussi sur YouTube le gacha des jeux ateliers que j'ai posté en 4K ce week-end. Vous voyez tout le prologue et le système de gacha surtout. Waouh, bah ça promet tout ça. Alors, tac, la sauvegarde. Reprendre la partie, non, paramètres, aide, comment on sauvegarde d'ailleurs? Est-ce que ça sauvegarde auto? C'est pas là en tout cas. Là on a la quête, ça c'est bien, ok. On a la quête, moins c'est la map, et on revient là-dessus d'ailleurs. Reprendre la partie, ouais. On va retourner à l'écran titre, on va voir ce que ça donne. Merci pour le point d'exclamation YouTube, Rayleigh. Donc c'est là. D'ailleurs quand je reviens, qu'est-ce qui se passe? Nous allons voir ça tout de suite. Petit test comme d'habitude. Ça c'est l'intro de Eastward. Est-ce qu'il me remet dans Octopia déjà? Non, faut que je fasse Y. Je suis dans Octopia, j'appuie sur une touche, je fais continuer. Jour 4, bah c'est bon. 13h32 et 35 secondes, c'est à peu près ça. Il faudra voir si je sauvegarde en plein milieu d'une journée, si on revient au même endroit ou pas. Si je fais B, non c'est Y pour sortir. Ok, on se fait le syndrome Kabuki, on voit chez qui on raid. Et puis bon après-midi bien sûr, comme dit Gunther. J'espère que le stream vous a plu. C'est vrai que c'est bon de se poser la question aussi parfois. Moi en tout cas, je me suis régalé encore une fois de découvrir ce petit jeu qui était bien chouette, comme dit Gunther. Je vous fais des bisous, des checks. Restez pour le raid, ça vous fait des points de chaîne pour me faire la misère ou pour me déguiser.
Et on se retrouve vendredi matin. Vendredi, on fait le Grand Blue Fantasy Relink et Persona 3 Reload. Rien que ça, les amis. Voilà, gros, gros, gros programme. C'est parti, Syndrome Kabuki, et on part en raid. Bye bye, à plus, le poulpe violet. Le poulpe pourpre. La mâchoire est crispée, le regard fixe, les gestes saccadés. Les symptômes sont clairs, le diagnostic sans appel. Ces enfants sont atteints d'un mal très contemporain, la passion des jeux vidéo. Le syndrome de Kabuki a été décrit par Noriyo Nikawa en 1981 au Japon. Et il touche une personne sur 32 000. Le nom du syndrome a été donné en référence au Kabuki. Le fameux Kabuki au Japon. Kabuki au Japon. Quel âge donneriez-vous à ce jeune homme? Le fameux Kabuki.